Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose une ouverture de courrier. Puis pas que, vous verrez par la suite. Donc j'ai trois petits courriers, enfin, petits, trois gentils courriers à vous montrer ce matin. Donc j'en ai un premier qui me vient de Gis. Gis qui m'a envoyé cette très belle carte de vœux avec une colorisation maison magnifique. Donc cette carte, elle me met que c'est un fond réalisé sur tablette et colorisation avec crayon de couleur Chromoflow. Voilà, je vous laisse apprécier la beauté de ces colorisations. C'est vraiment très très beau. Comme tout ce que fait Gis, hein. Gis c'est la reine de la patouille. Voilà, donc voilà pour ce premier courrier. Merci Gis, merci de tout cœur. Ensuite, j'ai ce courrier qui a été une énigme moi, pour moi quand je l'ai reçu. Pas d'expéditeur, donc je ne savais pas qui m'envoyait ceci. Donc j'ai reçu cette très très belle carte de vœux qui est avec un tamponnage embossé à chaud. Vous voyez, ça brille, c'est très très beau. Bah, c'est très festif, hein. Elle est très belle cette carte. Et dedans, c'est Claudine qui m'envoie ses vœux. Alors Claudine, bon, j'en ai pas énormément des Claudines hein, dans mon carnet de contact. Je suppose que c'est Ange Coco. Donc Ange Coco, hein, si c'est bien toi, ben, merci de me le confirmer. Et puis ben, voilà, elle m'a envoyé aussi ses tampons, ses magnifiques tampons. Regardez, dédié à tout ce qui est enfance, des petites étiquettes pour les petits, pour faire des cartes d'anniversaire, pour faire des albums. C'est trop, trop mignon. Il y a toute la représentation des petits animaux, si mignons pour les petits. Merci beaucoup, je m'y attendais pas du tout, du tout. Ça a été une très grande surprise pour moi, une très grande et très agréable surprise. Merci beaucoup, Claudine. Franchement, je te remercie du fond du cœur. Ensuite, j'ai reçu ce matin cette petite carte de Patty, Patty Scrap 17. Bon, je vous mettrai hein, les liens des petites copinettes dans la barre d'infos. Hein. Voilà, Patty m'a envoyé son défi de Gabi. Hein, elle m'avait demandé d'échanger quand j'ai fait ma vidéo sur le défi de Gabi, les défis de la semaine. Elle m'avait demandé un échange d'ATS. Voilà, ces trois ATS magnifiques. Avec bah, tout ce qu'il faut, hein, la petite perle, la couleur pêche. Et puis ce qu'il y a dans ma ville. Alors, Patty, elle me met, ben moi dans mon village, il y a de l'eau, des bateaux, des poissons, des mouettes. Et oui, Patty, elle est au bord de la mer. C'est magnifique. Ben écoute, Patty, merci beaucoup. Je suis désolée, mais moi, je n'ai pas pu te faire l'envoi. Je voulais le faire partir ce matin. Et puis, ben, j'ai loupé le facteur. Je n'ai plus de timbre. Donc, j'ai loupé le facteur. Je voulais en acheter sur Internet. Et puis, ben, ça a buggé. Donc, j'ai loupé un petit peu le départ du courrier aujourd'hui. Je pense que je pourrais te l'envoyer dès lundi. Voilà, merci de tout cœur, Patty. C'est très très gentil et moi, je suis très contente d'échanger avec toi. Et je voulais vous montrer également le résultat de mon mois de janvier. Alors, j'ai suivi sur la chaîne Le Livre et le Scrap, la chaîne de Sylvie. Elle mettait en début du mois dernier un défi, alors je ne sais plus de quelle chaîne ça venait, un défi de coller sur le mois de janvier ben, un papier par jour, enfin coller quelque chose une fois par jour. Donc j'ai bien suivi, je m'y suis tenue, tous les jours j'ai collé en fait ce qui traînait sur mon bureau, tout simplement. Donc ben, vous voyez là par exemple le 1er janvier, ben, j'ai mangé un After Eight, donc j'ai gardé le papier. Le 2 janvier, j'avais ce petit chien qui traînait, cette petite photo de chien qui traînait sur le bureau. Ici aussi, c'est un bonbon que j'ai mangé.
là des timbres récupérés sur une enveloppe du jour. Bon, j'ai beaucoup mangé hein, quand même. Du chocolat qui m'avait été envoyé, je ne me souviens plus par qui, mais quelqu'un qui sait que je suis gourmande. Donc vous voyez, plein de petites choses. Ici, c'était un petit morceau d'un des défis. Ça, c'était les défis de Christiane pour les kiss, hein, puisqu'on fait un ABC, un ABC, deux ABC par mois, hein, sur les deux ABC, je vous dis n'importe quoi, deux kiss par mois sur l'ABCDR. Donc, ça, c'était le kiss, le deuxième kiss avec la lettre B. Ici, un petit chien. Là, un montage de gnome. Ben voilà, un petit peu tout ce qui me passait par la tête. Et je suis très contente parce que bah, j'ai trouvé ça sympa. Et bah, je vais faire la même chose pour février, mais alors j'ai pas commencé par contre. Donc là, j'ai pris du retard. Mais ça va être plus collage de papier. Bah, mes chutes de papier qui vont traîner, que je vais essayer d'assembler comme ça. Un petit peu. On va essayer de les faire harmonieusement. Voilà, donc je vous montrerai la suite hein, quand ça sera terminé. Voilà pour ceci. Ça a été très amusant à faire. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très, très, très ludique pour moi. Je vous engage à le faire aussi parce que franchement, c'est très, très intéressant. Bon, j'ai mon petit carnet de chaque action là qui a un petit peu souffert, je ne sais pas pourquoi. Il s'est voilà, il s'est désolidarisé. Je ne sais pas comment je vais pouvoir le recoller, à moins de tout défaire et puis repasser, le recoudre peut-être. Voilà, une de mes dernières pages de Art Journal. Ça a été fait sous l'égide de Créador, hein, de Dorothée, qui nous guide vraiment très bien avec tous ses conseils. Voilà pour ceci. Bah écoutez, je vous laisse là. Je vous fais de très très gros bisous. Passez un très bon week-end. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Portez-vous bien.